Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. La tempête frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Que devait contenir cette enveloppe ?
Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? S'étonna Carl. Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle.
aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. Carl eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-tête.
La glace, une nouvelle fois, s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond désordre, presque inhabitable. Un vrai chantier. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Thank you.
Carl sentit alors un frisson le traverser, une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc le payer? Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
Karl ne put s'empêcher, en apercevant le carreau d'arbalète planté dans les marches de bois, de songer aux traits légendaires qui devaient frapper le talon d'Achille. Mais qui était l'Achille visé cette fois-ci? Avec ce froid, Karl sentait déjà plus ses orteils. Karl n'était pas un cambrioleur. Il n'entrait pas dans les maisons en cassant les carreaux des fenêtres. Plus habilement, en bon détective, il trouvait les clés là où les âmes naïves les cachaient. Un bon catholique ne succombe pas aux tentations du monde d'ici-bas. Visiblement, songea Karl, quelqu'un dans cette maison n'avait pas la vertu prescrite par la Sainte Bible. Thank you.
Une vieille voiture avait été stationnée ici. Carl était capable d'imaginer le gros véhicule du notaire avec la grande banquette arrière pour toute la famille. Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. Il y avait dans la maison une sorte de parfum d'encens. Ça sentait le bon Dieu et la paix. À l'époque, la religion était très influente au Québec. C'était d'ailleurs étonnant que Carl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. Le bon Paul VI et sa pose papale. Avec ses doigts crochetés, on le sentait sur le point d'accomplir un miracle.
C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui grouillaient normalement.
Quelque chose dans la femme respirait la libération. Et chez l'homme aussi bien. On dirait que le couple ne vivait pas autant que d'autres sous le poids du monde ancien. Une photo de jeunesse. Carl comprit d'un seul regard que Wilfred devait occuper une sorte de poste de garde-chasse. La photo avait été prise non loin d'ici. C'était deux couples amis à l'intérieur même du village. Il n'y avait ici aucun vêtement, comme si les rois étaient partis avec toute leur garde-robe sous le bras. On n'avait laissé aucune arme derrière, tous les fusils envolés.
Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Thank you.
Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Carl ne tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. «
Avec ses gros doigts, Carl ne pouvait pas atteindre la clé. Avec ses gros doigts, Carl ne pouvait pas atteindre la clé. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Il y avait une inscription dessus. Ça disait « Cloutier et fils », comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. Une photo prise dans la maison. La même tapisserie sur les murs. À voir les sourires, personne ne se doutait que bientôt le calme allait se briser. Le petit Martin Blais avec un membre de sa famille. Ils avaient des airs de ressemblance.
Carl nota la complicité et la fierté qui les habitaient tous les deux. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. Thank you.
C'était une cabane typique, de celles qui peuplent les légendes québécoises. Les bûcherons s'en servaient pour se reposer, et deux fois par jour, c'est là qu'ils réchauffaient la soupe au pois. Qui abandonne une partie d'échecs en si bon chemin? Il manquait seulement un déplacement pour signer la victoire. Il y avait bien eu une présence récente dans le dortoir. La nourriture en témoignait. Et on était parti sans amener sa valise. C'est qu'on comptait revenir, sans doute. Les matériaux manquaient pour que s'élèvent les flammes. Les flammes ne s'élèveraient pas d'elles-mêmes. D'autres matériaux étaient nécessaires. Thank you.
Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait un.